Salut les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mon projet top secret. Alors, je vous explique, c'est ma petite Golf 4 que vous avez déjà vu vite fait sur les réseaux sociaux, machin. Là aujourd'hui, on part pour un objectif, comment vous dire, ça va envoyer du lourd. Alors, on se retrouve aujourd'hui, on sort le moteur, objectif. Sortir le moteur, démonter si on a le temps. Et au fur et à mesure des vidéos, je vous montrerai l'avancée du projet top secret. Donc, pour ceux qui ne savent pas, nous sommes sur un 9 TDI 100 ATD. Reprogrammé en... on sait pas de chevaux. Dessus, j'ai turbo 1856. Admission sur mesure. Ligne full tube 63. Embrayage renforcé. Et puis 4 injecteurs BE, parce que d'origine c'est les BA. Voilà. Et puis bon, après un petit peu de prépa caisse du style 4 combinés, basique, 4 jantes. Et puis on devrait pas être mal. Si, une petite barre anti-rapprochement en dessous. J'ai celle du dessus à mettre, mais du coup vu qu'on sent le moteur, ça sert à rien de la mettre. Et puis j'espère que vous allez kiffer. On est là pour passer un bon moment. Se faire kiffer, s'amuser, et puis c'est parti. Vous pourrez mater le chien. Voilà, il en faut peu pour un chien s'amuse, un pneu, et il est heureux. Oh tiens, ça arrive comme ça. Là, on défait les cardans. Enfin là, on défait la roue. T'as compris quoi? Yup. Nous accédons au tuning, parce qu'on aime le tuning. C'est au coup. Donc là on sort les cardans, faut défaire les 6 petites vis. On défait le triangle pour gagner de la... On pourra branler le cardan après, du coup on pourra le sortir. On fait ça des deux côtés, puis voilà. Là on va commencer tout ce qui relie le moteur à la caisse, donc cardan, ligne d'échappement. Et après on s'occupera de tout ce qui est du rite, arrivée de carburant, faisceau électrique, tout ça, et puis voilà quoi, roule tonton hein. Bon, là on a défait cardan, on les a sortis, on a défait le support anti-couple, on a défait batterie, on a commencé à débrancher le faisceau. Tout le système de liquide de refroidissement normalement est débranché. Là il nous reste, on a défait aussi le carburant. Il nous reste le faisceau, la DA, la clim, parce que j'aimerais bien ne pas ouvrir le circuit de clim, donc on va essayer de patouiller quelque chose pour que ça reste sur la bagnole. Et puis on devrait pas trop tarder à avoir la vérité. Juste je sais pas encore comment on va le sortir, si on le sort par en haut, par en bas, ou si je démonte la face et on le sort par la face avant, donc à méditer. Et puis ça devrait être pas mal. Donc on reprend quand on avance doucement quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Il en faut peu hein. C'est bon, t'as fini? Bon les petits potes, là on a défait tout ce qui restait, donc faisceau électrique, la tringlerie de boîte, on a défait quoi d'autre, la ligne. Tout ce qui restait quoi, la clim, on a retiré, alors du coup on va essayer de sortir le moteur en laissant le système de clim, la DA, donc on va démonter la face avant avec les petites vis là qui traînent, on va l'ouvrir, on le sortira par devant. Donc là il ne reste plus qu'à le sortir, donc on va vous montrer ça. On va défaire le support moteur de boîte de vitesse, le support moteur côté distribution,
Et puis normalement, nous devrions avoir ce petit moteur hors de la caisse dans quelques minutes, quoi. Donc voilà, on va vous montrer ça. Tu fais quoi, Mathéo, là? Mathéo, bah, tu fais quoi, là? Ah, je remets les vis du restant de l'embrayage. Pourquoi? Bah, comme ça, on perd pas les vis. Ah ouais, ça, c'est pas bête. Eh ouais. C'est toi qui a inventé ça? Non. Ah ouais. Ah, c'est bien ce que je me disais aussi. Et juste quand tu oublies les trucs, bah, pour pas oublier, tu les remets. Ah ouais, t'es pas con, toi. Ça biche. Donc voilà. Tu vas nous montrer comment tu sors un moteur? Ouais. Tu fais comment pour faire un moteur? Bah déjà, on met la chèvre. La quoi? Une chèvre. Ah ouais? La chèvre qui fait bé. Non. Ah. Pourquoi? Parce que c'est pas les mêmes. Ah. C'est une chèvre avec un bras. Ah ouais? Ouais. D'accord. Et ensuite, on fait quoi après? Bah déjà, on va enlever la face avant. Ouais. Sans péter compresseur de clim. Ouais. Ce serait bien. Ouais. Puis après, on défait support moteur. D'accord. Support de boîte. Ouais. Support anti-couple en bas, et il est déjà enlevé. Ouais. Enlevé tout à l'heure. On va être bon pour le sortir. Hein. Ah ouais. D'accord. Ah ouais, mon frère. Ah, ça biche. Coulir maman, on va après ouvrir tout là. Ah, colia.
Bon, les gars, c'est bon, le moteur est sorti. Comme vous avez pu voir avant, on fait un petit débrief. Donc, la bête est là. Ça fait bizarre, il n'y a plus de moteur. Bon, vous avez vu, on a un peu galéré avec la face avant, mais vraiment, je voulais pas défaire la clim. On a réussi, donc c'est nickel. Donc, c'était un peu galère, la machine elle s'est un peu barrée par terre et tout. Mais bon, bah, le moteur il est là quoi, donc il n'y a plus qu'à le démonter. Et faut que je vous avoue quelque chose, ça se passe derrière. Ce qui est à suivre. Voilà, j'en dis pas plus. À suivre, t'en penses quoi? Ça va bicher. Hein. Ouais. Ça va marcher. C'est pas déconnant. Non. Allez. À plus les mecs. Et pour la prochaine vidéo.